Hello, hello tout le monde, c'est moi Anouk Bey et aujourd'hui je suis toujours en Thaïlande et oui, et je suis à Chiang Mai et je vais faire une deuxième journée avec les éléphants. Et la surprise de la journée, c'est que je suis avec ma meilleure amie du lycée qui m'a rejoint en Thaïlande et je suis trop content parce que ça fait 3 ans qu'on s'est jamais vu, qu'on s'est plus vu, pardon. Célia! Oui, tout le monde! Ça y est, on arrive au sanctuaire des éléphants, on est trop excités! Oui! Ça va être la première fois pour Célia parce que moi je les ai déjà vus. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte, mais là il y a un bébé éléphant, il est trop mignon! Il est juste là-bas. On mélange la nourriture pour les éléphants avec les vitamines, les bananes, tamarines. Banane, tamarine. Ça, on ne sait pas ce que c'est. Je ne sais pas aussi ce que c'est. Avec la médecine. Ok. How is it? Oh, how is the texture? It feels a little weird in my fingers. It's definitely mashed banana. Donc là, on a fait des petites boulettes de vitamines avec les éléphants. On va leur donner. Even the baby? Oh, not for baby. Just the big one. Yeah. Bon. Bon. Tu sais que tu peux en manger aussi. Ah, elles sont mangeables tout à l'heure. C'est des bananes. Oui, c'est des bananes. Si, ça, elles sont mangeables. Il n'y en a pas des pas mangeables. Celles-ci, elles sont bonnes. Ouais, donc là on a rempli nos sacs de bananes comme la dernière fois et là on va leur donner à manger, on va leur donner aux éléphants. But she doesn't know how to how to do that. Donc là, l'éléphant qui est derrière nous, il s'appelle Yan. Ça veut dire grand-mère. Il a 66 ans, je crois. Elle a 66 ans parce que c'est une fille. Et avant, elle a été utilisée pour un éléphant qui portait des gens sur le dos pour la promenade, juste pour les. Donc là, on fait notre petite balade avec les deux petits éléphants. Je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est des éléphants qui ont été rescousus par de la maltraitance. Rescue par de la maltraitance. On attend toujours Honor qui fait sa princesse. Là, il y a le caméraman. C'est là, tu ramasses quoi? Des fleurs, mais je sais pas pourquoi. Je crois que c'est pour faire un bouquet de fleurs à la fin. Ils vont nous l'offrir. Kopunka. Rabom. Ok, voilà. Alors, Aymak, moi, mouang. Chai. T'entends?
putain, là, on a trouvé des plantes où quand tu les touches, genre, la plante, elle se ferme. On est avec les éléphants, donc on va se déshabiller, on va rentrer dans la boue. On va nettoyer les éléphants. Aïe. Et let's go, hein. On dirait que je me suis chiée dessus et je suis tombée dans la merde et en fait sous moi il n'y a que... Ah non, c'est propre. C'est propre. C'est que de l'eau. Ouais, ça va, il n'y a que de l'eau, donc c'est bien. Donc là, on part à la baignoire, la deuxième baignoire, donc c'est mieux, un peu plus profond. Video photo. I can do both. Donc là, on a fait le bain avec les éléphants. On est tout mouillé. On leur a fait le bain debout en premier. Puis là, on a fait le bain d'eau propre. Du coup, là, les éléphants, ils se mettent en fait du sable sec sur la peau pour se protéger du soleil, des insectes. Célia, qu'est-ce que tu en as pensé de cette expérience? C'était génial. Wash your feet, wash your feet. C'est trop mignon, c'est trop mignon.
Donc là, on a nagé avec le bébé éléphant et la maman. Et là, c'est bon, il commence à pleuvoir. C'est bien, c'était génial. Franchement, à refaire. Et là, je suis trop contente. On a quand même nagé avec un bébé éléphant comparé à la dernière fois, j'avais pas fait de bébé éléphant. Génial. Merci, Pim. Bon, du coup, là, on a fini de faire la journée avec les éléphants. On a pris notre douche pour se laver dans un avec un tuyau parce que les douches, elles ne fonctionnaient plus. Et là, du coup, ils nous ont offert le repas. Donc, pour le repas, qu'est-ce qu'on a ? Des bouteilles d'eau, de la pastèque. Ça, je crois que c'est des bananes frites avec une salade de choux et un peu de riz. C'est parfait, ça, Célia, toi qui es végétarienne ? Mmh. C'est bon quoi? Moi, c'est une banane. Bon appétit, Célia. Merci. Donc là, on a fini la journée. On vient de terminer de manger comme des grosses vaches. Célia, qu'est-ce que tu en as passé de cette journée? C'était super bien. C'était trop cool. On a bien profité. Est-ce que tu le referais? Ouais, mais peut-être dans un autre endroit pour changer. Ouais, moi aussi. Non, genre, je pense qu'il faudrait faire plusieurs endroits pour voir la différence. Mais sinon, en vrai, c'était très chouette. Surtout la fin avec le bébé éléphant quand on a nagé avec eux. Et la bouffe aussi, elle était pas mal, non? Ouais, c'était très bon. Bon, bah voilà. Merci de nous avoir regardé. Merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.